Salut tout le monde, c'est Capi, je suis avec Alex. On va se faire un petit donjon manso et je vais pas faire la mule aujourd'hui puisque je vais quand même jouer un perso. Puisque Romain n'est pas là, du coup je jouais l'Aïop. On est parti. Vas-y, lance. Voilà. Et un petit bonjour à PEPOSA, à Veux et à Demineur Slash, voilà des abonnés que je viens de rencontrer à l'intérieur du donjon qui sont ici. Et il y a Veux qui m'a fait un petit cadeau, il m'a offert un anneau Gutendak, une Racine City, un bâton 4 yeux et un paniglou. Donc voilà, merci à eux. Go. Ouais. Je crois qu'ils vont faire le donjon en même temps que nous. Ok, donc il va speeder. On s'en fout. T'as pas pris les nids? Non. Faut un truc qui soigne. T'inquiète pas, il y a pas ça. Ah ouais. Non, solo c'est Neklaus. Bon, voilà, je quitte LOL. Comme ça, on peut jouer à Dofus tranquillement. Et ils ont refait le mode tactique, t'as Ah vu? ouais. Moi c'est la nouvelle match d'aujourd'hui. Oh bah c'est bien comme ça, je trouve. Alors, et par contre ils ont changé bon, j'ai vu, mais Ouais. c'est, enfin je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien en fait. Je comprends pas trop les trucs avec les dommages finaux, je sais pas quoi. Bon, ça revient à peu près pareil. Avec bon. En gros, mais je l'ai déjà remonté niveau 6, hein, je sais pas s'il fallait, mais maintenant ça Ça fait. fait dommages subis x 115%. Donc téléport sur la case ciblée augmente les dégâts finaux reçus par les ennemis situés dans les cases adjacentes. Je comprends pas c'est quoi cette histoire de non dégâts finaux. Bah en gros, quand par exemple tu fais ton attaque, Ouais. t'as des dégâts qui s'ajoutent en plus. Ah, c'est pas genre si tu le finis, tu tapes plus fort ou je sais pas quoi. Non. Non. Oh, il a rien invoqué. Avec 10 coups critiques, si t'arrives pas à faire des coups critiques avec le perso de Guillaume, je comprends pas. Déjà. Ah, c'est le mien, le chevalier d'Astrub. Bah oui. Je me disais bien. Bah à la limite, je vais en mettre un sur. Ah, mais non, non, justement. Non. Déjà. J'allais te dire, je vais en mettre un sur Cabriole, mais non, ça va monter trop le niveau. Ah, il fait pas de coup critique. Ma faute. Vraiment de la merde ce perso. Et il y a eu quoi d'autre sur la mage? Nouveau donjon. Ah Image oui, de le truc avec Sati. les araignées. Ouais, image de Sati. Ruine aussi. Puis voilà. Ça, les runes, par contre, j'ai vu à la petite vidéo qui dit les trucs de la mage, mais j'ai rien compris avec les runes. En gros, c'est juste que l'item va être cassé sur le serveur, moi qui va rapporter 2 runes. Donc en gros, il faut Ah. trouver des petites failles que les mecs ils cassent pas les items là en fait. Du D'accord. genre tout à l'heure, j'ai cassé une amulette de l'aventurier, j'ai eu un pourcentage de 150%.
Donc en gros, j'ai des pas innés tout ça, alors que normalement tu peux pas en avoir. Ah, nice. Parce que t'étais dans les premiers à le faire. Bon, je l'ai fait ça tard quand même. Oui, mais dans la journée, je veux dire, y a personne qui s'est dit, ouais, je vais péter des trucs aventuriers. Ouais, genre, les gens qui font que farm le même item tout le temps, ça sert plus à rien. En gros, quel rox. C'est 18 000 en fait hein, qu'elle fait de dégâts. Moins 18 000, ça donne mieux. Alors. T'as vu la PO? Regarde. Mais tu vas voir, c'est quoi du rox. T'es prêt? Boum. Boum. Et reboum. T'es content, hein? Ouais, 55. Ah oui, on m'a offert un cram-cram aussi. Sérieux? Ouais, je sais plus comment il s'appelle, le pseudo. C'est. Il est pas connecté. Je l'ai ajouté Vrai? en ami, mais. T'as de la chance, dis donc. Ouais. On te fait des cadeaux. Et il y a un pote aussi qui a retrouvé un vieux compte à lui. Il avait une panneau Tengu. Et il a dit qu'il allait me la donner. Il te l'a passé. Non, il l'a pas encore donné, mais il va le donner. Bah, c'est sympa. Le combat commence. Si tu tapes un peu les timonceaux, je peux les. Ah non, t'as les mamans. Elle est résistante, le chevalier, hein, t'as vu ça? Tiens. Non. Attends, il est niveau 55. Il a tanké un tour complet de Rogues à un niveau 200. Voilà. Tu peux taper là avec ton réflexe. Comme ça, je l'ai fini. Heureusement que tu l'as fini. J'en finis un. Faut mettre de l'autre côté parce que j'ai pas envie que tu me tapes dessus avec ton pied là. Non, je fais deux coups de dague. Tedak, c'est neutre et feu qu'elle tape. Ah, je croyais que c'était terre et feu. Non, je les ai pas fermes. Ça me sert, je préfère taper neutre. Oh, au moins, si jamais t'as des résistères. Ouais. Et puis je tape mieux avec. Ouais. Oh, rebours qui tombe. On s'en fout. Ça se voit que j'ai pas beaucoup d'XP. Pourquoi? Bah, rebours alors, encore niveau 103. Ah, en même temps, pour le moment. En ce moment, je fais que dalle en XP. Bah ouais. Mais ça va, là on va après celui-là, c'est le Ben, non? Bah là tu vas pouvoir XP. En plus t'as mon compte maintenant, donc. Oh, tu vas revenir, va être niveau 150, te faire ouf. Faire en merde, j'ai raté une étape. Putain, il a fait mal le point de craquer là.
Et ouais. Tu peux pas tuer celui qui a mon cac. Trop tard. Moins que je crit, mais bon. Non, mais au pire, ça je le tue, mais c'est juste que je puisse pas bouger, quoi. Pire, tu fais un souffle et tu fais une épée de deuil, épée de trop de faire un souffle. Est-ce que j'ai assez de dégâts? Oui! Oh là là, ce teamplay. Hop là, je les bloque comme ça. Il peut pas me tuer. Plus tu rapproches pour ta SRAM. Normalement, elle le tue. Voilà. Parfait. Moi, je dégage. Je vais pousser la yop. Oh mais je le tue là. Tenez de la portée. Je peux même faire ça. Merde. Non, non, t'as vu. De toute façon, c'est record, hein, au pire. Ils ont rien vu. Par contre, sans popo, c'est casse-couille. Hein. Quoi? Sans Zenyripsa, c'est casse-couille. Mais non. Si, on n'a pas de I. Mais si. Tu connais pas la force de l'éca. Mais non, mais moi, je dois prendre du pain, c'est ça que je veux dire. Pas besoin de prendre du pain. Tu lances tes combats sans pain, sans prendre du pain. Par contre, je crois qu'il y a Romain, il va râler parce qu'il avait un bon prospection. Mais je sais pas ce qu'il foutait dans le labyrinthe, par contre. Du décès. Non, le labyrinthe Abracnid. Normalement, le fou, il va venir, il va prendre cher. Si j'ai de la chance. Ouais, il s'est pas trop mal mis. Boum. Oh, il a régène. Oh, il a régène. Bon, tu dis qu'il n'y a pas de heal, donc Mais ça on va va, te moi je voir. suis full vie au pire. Donc on va te faire voir. Ah oui. C'est en pourcentage de vie. Ouais. Donc n'importe quel élément ça passe. Allez, tape. Saloperie. C'est encore mieux qu'une chance écart. Fais le tchal, limite. C'est lequel? Le chaman. Ouais, donc il est... Allez, je me booste Chati pour une fois. C'est chiant, hein, le donjon m'en saute. Je l'aime pas. Il est pas terrible ce donjon. Par contre, j'ai vu dans les commentaires que toi aussi t'as répondu, c'était bien marrant, mais il y a un mec qui disait, tant que t'es pas genre niveau 100, tant que t'es XP, ben fais pas de vidéo, fais genre des vidéos sur un autre jeu. Et après, quand t'es genre, tu peux commencer à solter des trucs, fais des vidéos sur Dofus. Je me suis dit, d'accord. Mais putain, t'as vu les dégâts que ça fait? Dégâts fois Ouais, mais bon, quand même. Je me suis dit, quand on est à deux et que je joue quand même le Yop, on peut quand même filmer. Parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Limite, je suis tout seul en train de passer mes tours. Là, je veux bien que. Que voilà, mais. bah oui, tu filmes quand t'as le yop.
t'en fous. Les dégâts de la flèche. Allez, rebours, booste-moi. Dernier souffle et tout. Tu fais jamais rebours. Si, des fois, mais bon. Moi, botte et rebours, quand je boostais les autres, c'était tout le temps. C'était exagéré, j'arrêtais pas. Oublie pour le châle si tu veux le faire. Non, mais le truc, ça fait chier parce qu'il y a ton SRAM qui bloque tout. Là, tu fais une anti sur le charbon chaud et tu l'as. Où ça va? T'as pas les cadres? Bah c'est... Putain, j'ai pas eu le temps. Les 4, c'est le tour après, elle prend plus de dégâts, c'est ça? Quoi? Ah non, elle est insoignable. Mais pas de chance là. Mais non, mais comme t'as fait le truc pour heal le tour avant. C'est quand mon mode de trap est fini, bah, je suis insoignable. C'est Mais là tout? je peux toucher. Ouais, mais là je peux toucher. Et tu restes en état vénère combien de temps? D'accord? Tu restes combien de temps en état comme ça? Il me semble que c'est 2 ou 3 tours. Putain, c'est pété en fait. Et tu heal avec tout, même pile ou face par exemple. Non, pour pile ou face, il te faut de la vita. Mais il te faut de l'intérêt plutôt. Et genre perception, tu peux le faire à tous les tours. Ouais. Putain, c'est cheaté. Et trèfle, t'as combien de temps de... De Pour le... relance. Ouais. Il me semble que quand je l'ai plus, je dois attendre 1 ou 2 tours. Bon, en gros, tu peux heal en zone tout le temps, en fait. Oh, mais c'est rare que je te fais quand même. Je préfère taper. Bah oui, mais imaginons que t'aies un EK exprès pour heal, ça peut être pété. Hein. Je suis déjà tombé contre 100 en colis. Et? J'aime pas. Piège mortel, c'est pas là qu'il faut le mettre. Hein. Je sais, mais j'avais déjà le piège de masse là. Tu vas voir, il y en a un qui est tellement. Bah, au pire, là, tu fais tout mon taco et puis bourreau. Voilà. J'aime bien le chevalet d'Astrup. Moi aussi. Je prends toujours lui comme outil. Il est trop bien. Ça sort de placement, tous les éléments, tu peux booster, taper de loin, taper de près, pousser, T'as vu attirer. que le rocks. Le rocks que je fais n'empêche. Et moi je reviens pas si tank à mort mon chevalier. J'aurais peut-être pas dû taper lui par contre. Pourquoi? Bah je sais pas, j'ai rien fait comme dégâts. Et t'as quand même les effets de boost avec perception quand tu le fais ou pas? Ouais, donc ça remplace le heal par le... Ah ouais, tu voles de la vie, réflexe en plus. Ouais, donc en fait R c'est vachement bien quoi maintenant. Ouais. Le petit c'est mieux. Ouais, mais tu perds des dégâts.
Bah, il faut que tu sois niveau 200. Ouais, avec le stuff que tu m'as montré là, les ricos que tu peux faire, c'est cheaté. C'est 4 PA Ricop, hein, non? 5, il me semble. Regarde un peu. Sort 5 PA. Ah merde. Parce que je me dis en 12 PA tu peux en faire 3 par tour, ça peut être bien s'il est à 4 PA. Oh, mais en gros, quand tu peux mettre sur la même personne, parce qu'à chaque fois ça remplace. Ah, tu peux pas en stacker plus que 1. Donc tu peux en faire que 1 par tour, par personne en fait. Toi c'est nul. Et si genre t'en fais un et que ça genre il prend les dégâts dans 2 tours et que le tour après t'en refais un, là ça se cumule. Non. Même comme ça. Bon, c'est n'importe quoi. Griffe de Shangal, ça heal? C'est Non, quoi j'ai ça? plus une chance. Ah. Mais ça heal à tous les coups. Ça va, ils sont pas trop up les Zeka en fait. Ils étaient pas encore assez cheatés. Maintenant, en colis, tu prends un Ulu, un Ekko, un Héliotrope, c'est bon. T'es Pourquoi? sûr? Bah avec un Héliotrope et quand tu peux one shot un mec. Ensuite, quand tu, par exemple, ton Ekko est mal au point, tu te mets une chance. Ton dégâts fois. Non, tes dégâts, les dégâts sont soignés. Ou toi. Tour prochain, avec le Lunu, tu fais une corrup. Il y a un invulnérable pendant un tour. Comme ça annule l'effet des dégâts fois 2. Puis voilà. Attends, réexplique un coup. En gros, par exemple, si ton Ekko a 2200 PDV, et qui est dans le top, avec ton unit, tu fais une corrupte. Ouais. Vu qu'il y a la chance des dégâts fois 2, donc les mecs peuvent pas tuer les cas. Vu qu'il est invulnérable pendant un tour, et en gros, ça annule les dégâts fois 2. Vu que la corrupte elle soigne en même temps. Ah ouais. Ouais, c'est une reconce bizarre quoi. En gros, tu peux pas, tu tapes pas les casse tour là quoi. Pendant 2 tours, tu peux pas le taper. Alors. T'as une belle zone Ouais. Putain, la maman saute, elle a pris la bite. là. Dégâts fois 2. Ah, c'est sur tout le monde qu'elle le met. En gros, c'est le fou qui met ça. Bah oui, mais ça soigne, mais genre là, j'ai fait sur les 4. Donc sur 8G, j'ai tapé les 8 fois. Mais non, c'est mais sur une seule personne. Une ou à deux Ah, personnes. d'accord. Mais pas sur tout le monde. Pour ça qu'elle a pris la bite. Allez, moins 1 000. Ils ont vraiment des intelligences artificielles de merde hein, dans ce jeu, c'est fou. Par contre, j'ai vu, ils ont amélioré la vitesse de d'exécution des mobs. Genre, Ouais. leur tour, ils passent plus vite et tout ça maintenant. OK. Je sais pas quoi faire.
Tu te venges. Moi, le doublé. Moi. Pour se venger, il a tué doublé aussi. Double coup critique en plus. Ouais, les mamans sautent, elles sont casse-couilles à tout réinvoquer tout le temps. Non, le plus chiant, c'est les chavons qui te mettent en état affaibli, c'est casse-couilles. Surtout pour le sacré, les autres persos, c'est pas trop grave. Mais... On en parle de ton assaut. Je suis pas Il a combien de PV? 97, putain. Et mais c'est exagéré, tes bluffs, tu les fais R tout le temps, hein, toi. Je t'ai pas vu faire un bluff haut depuis un mois presque. Oh, 666. Le diable. Allez, fourvoiement. Mais non, pourquoi tu fais ça? parce que faut vraiment que c'est une réinvoque, ça. Et alors, ça te booste? C'est celle-là qu'il faut taper. Oui. Une zone, Alors, par contre, je te casse la ligne de vue. Il va coop, ça j'en suis sûr. Es-tu là au moins? La flammiche. Et la roulette. 400 intel. Boum. 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 Ok. Je te fais du moins 3000 et puis après je te soigne full vie. C'est beaucoup trop et les écafles flippent les... J'aurais pas dû me faire un écran en fait, j'aurais dû me faire un écran. Au moins tu vois, moi je joue des persos que personne ne joue. Ça c'est bien. aussi grâce, il y a pas mal de gens qui jouent ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ah, que c'est. Tu vas en colis, il n'y a que ça. Est-ce que tu vas le finir? Non. Alors, c'est comment déjà pour le tuer? Il faut soigner Ah ouais, un allié à son crack. ouais, mais en diagonale, non? Non, son crack. Y a plus ça, le truc avec la diagonale. Non. C'était bien fumé, ça. Tu, Avant. si tu faisais un soin en ligne, le mec était one shot ou je sais pas trop quoi.
Avant le manchot, il faisait peut-être des câbles. C'était trop chaud à faire avant le morceau. Voilà, je l'ai capturé. Genre là, premier tour, le morceau il est bloqué. Tout va bien. Moi, j'ai déjà sauté avec le sacré. Ouais, avec le roublard, je suis solité aussi. Enfin, soloté, non, parce que j'ai dû prendre un multi-man avec moi, parce que Ah sinon, non, j'avais pas de moi soin. vraiment solo. Moi vraiment du solo. Tu as tué comment? Bah en gros, je me suis fait un châtiment vitalesque, une furie sur moi-même, et puis voilà. Et ça t'a heal? Bah ouais, vu que le châtiment vitalesque, ça te rend les points de vie, des points de vie. Ah ouais. Non, moi j'avais dû prendre comment il s'appelle? Le multi-man qui soigne, c'est comment? Lumino. Ouais, Lumino avec moi. On tue qui d'abord? Les mobs? Tout le monde. J'ai fait ce que j'ai en dernier mon show. Hein. Parce qu'il y en a, ils préfèrent tuer le manceau en premier. Moi, touche en dernier. De toute façon, je pense pas qu'on a vraiment du mal à le faire. Quand tu vois le Rox de l'île 4. Brut. Par Faut contre, juste s'il est tuer les terrestre. mamans en premier, parce que c'est trop casse-couilles, sinon ça réinvoque tout. Tu reviens. Ça c'est fait. Par contre, la casserole vient me cacher. Tu attends, attends, t'as encore des pierres? Tu peux mettre un piège machin là? Ah merde, trop tard. Tu voulais faire quoi? Bah, ah non, ça va, je les ai. Bon, je vais te booster. Il faut tuer la maman sotte. Et j'ai jamais fait gaffe que les chamans sautent, ils ont les bâtons complètement cheatés là, tu vois. Comment ça s'appelle? Les. C'est un bateau qui tape haut et feu. Regarde quand on compte le top. Ça se voit que je suis fatigué. Je suis vraiment de la merde. Ah, il prend même plus de dégâts de poussée en plus. Par contre, il a tué le chameau, c'est parce qu'il me casse les couilles. Putain, mais les dégâts que tu poses, quoi. Pouah. C'est n'importe quoi. Envie de faire un sacrifice sur la yop. Comme ça, toi, ça te booste et moi, je prends pas la bite. Tu t'amuses? Il la rapproche.
Ça, je la finis. Je vais gonfler la coco. Voilà, ça c'est fait. J'avais m'amusé. Il a pris cher, mode de rien. Destin, maintenant ça attire et puis ça repousse, hein, c'est ça? Tiens, voilà des bluffs fous. T'es content? Ouais. Enfin. Par contre, là, le sacré, il a pris vraiment, vraiment cher. Gâcher une pipi pour ça, quoi. Faisais du 1600 avec. T'aurais dû taper le team en saut, là t'aurais repris beaucoup. Putain, il a 11 PM. Non, c'est pas grave, ça. Tu vas s'amuser avec le double. Oh, mais il est con. Non, parce qu'il y a un pichet répu. Il me semblait bien qu'on pouvait attirer. Bon, il veut le sacré, Ouais. quoi. Par contre, il faut que je me mette loin pour soigner le sacré. Mais c'est ça, tu peux pas heal quelqu'un quand t'es dans sa ligne, sinon ça le one shot. Non, non, non. En gros, c'est. Si là je m'aurais rapproché de lui, bah, j'aurais pris des dégâts, mais ça m'aurait pas one shot. Ça aurait pris. En gros, j'aurais. Qu'est-ce que j'aurais soigné? Ça aurait pris des dégâts sur le sang. Tout simplement. Vas-y, continue à le soigner. Au pire, il est full vie. Voilà, il est plus full vie. Allez, je t'en fous. Un plafond. Ok. Oh, c'est pas tout. T'as vu exactement les mêmes dégâts en plus. Boum, boum. Crac, boum, crac de caniche. Faut essayer de le dévenir ce tour-ci parce que j'ai la coco. Tout de suite. Ok. Putain, y a Je des vais devoir bugs. te donner tes pierres alors. Bon bah tu prends pas coco. Bah, je coco le fou, tant pis. Ouais. T'as par contre, si je le heal avec la coco. Oh putain, ça me fout trop fond. Donc tu as le sacré derrière. Il y a les cas aussi. Moi je sais bien, mais c'est casse-couille.
Ah, c'est pas ce tour-ci. Normalement, le fou est mort. Bien, tu te précises, tu fais un bond sur mon saut. Bah, il a 11 PM. Non, mais je te heal dessus, en fait. Ah Je merde. t'aurais. Putain, je me rappelle en plus sur le côté de mon roublard, j'avais un Eka niveau 120, je crois. Il était complètement cheaté. Je jouais R déjà avant la mage, alors maintenant laisse tomber. Là, le petit carte à jouer. Ouais, il était trop bien ce perso. T'as ce compte, je te jure, il me manque trop. Il y avait trop de trucs sur ce compte. T'es bloqué avec ton piège. J'avoue qu'il m'a bien défendu. T'en remets un derrière toi. T'en remets un là. Comme ça, pour un PM, tu vas avancer. Tu vois? J'avoue. Fais repérage maintenant. Non, j'ai pas la période ici. Ah merde. Au pire, avec ton chevalier, tu me pousses. Non, tu peux encore faire. Mais là, il va se barrer, vu que c'est un gros enculé. Je vais te montrer. Par exemple, il fait ça. Ah, parce que. Comment dire? Le soigneur, il est pas assez près. Sinon, Galo, le morceau d'A, ça aurait été tapé. Autour de lui. Avec ton yop, ouais, colle-toi à lui. Oh, le coup critique en plus. Pendant 6 tours. Putain, avant c'était un tour. Ils l'ont rendu super facile maintenant, mon sort. Heureusement, parce qu'avant il était impossible presque. À la sortie du jeu, c'était exagéré. Bon, allez, boum. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Pas du tout. Ah merde, j'ai pas le bon cac. J'ai l'épée Glourson à la place de la. De la pêche. Ouais. Bon, on a 4 heures pour le finir. Faut qu'on se grouille. Bon, ça va. On est super simple, à part qu'il se régène, quoi. Ah, il va se barrer, hein. Tata win. Il a one shot le chevalier. Bloque pas la ligne de vue. Non, je vais le boucher, t'inquiète. Toi, tu fais un bon anti. Pourquoi t'es l'un de les quatre? Bah, t'as vu où elle est, les 4? Je pouvais la voir en fait. Si t'aurais fait un bon anti par du côté là en fait.
M'en fous, j'ai quand même touché. Avec le sacré aussi. L'absorption. Allez, c'est bon. Ça c'est bien, comme ça il peut pas se taper à l'autre. T'es sérieux? Oui, qui a pas bougé. Ouais, mais t'as vu où il est? Vu le nez. Faut le préparer, et prochain tour, je vais à Coco. Désolé. En plus, celle qui capture. Ouais, j'ai pas fait exprès. Oh, les coups critiques. 50 critiques pour la Coco, ça sent bon, ça. En plus, c'est une coco que j'ai boosté en coup critique, donc. Faut absolument le ramener vers nous. Allez, Doppel. Limite, tu sais me faire une peur avec le SRAM, genre sur le Mansot, enfin vers le Mansot. Bon, là c'est un peu trop loin, mais c'est pas grave. Ben voilà. Jamais la mettre cette coco. Si, si. Comment? Bon coco. Ah oui. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Voilà, plus avec la puissance. Par contre, là, les 4, elle a pris cher. Oh. T'as une coco pour faire moins 2000, t'es sérieux? Ça fait depuis le début du combat que j'essaie de la placer. La roulette 400J. Heureusement. Comme ça, je peux me rejoindre dessus. Par contre, j'ai une chance. C'était pas censé me heal là, le tour. Non. C'est tout après qu'il est que ça y est. Est-ce qu'il y a encore capture d'homme? On a encore un tour. Bon, c'est bon, fini. Normalement, ouais. Il aurait dû faire un Yopfeu, un Romain. J'aimais trop, moi, les Yopfeu. Il veut surtout se foutre en multi, quoi. Il attend pour sa panne. Oui, il attend pour les Kamas, surtout. Ah, il attend pour ouais, les camos surtout. C'est un peu normal. Ouais, là tu peux lancer la capture. Elle est déjà capturée, j'ai déjà capturé. Là, c'est le dernier tour, normalement.
Putain, mais ta souris, quoi, c'est épique le bruit qu'il fait. Non, c'est en face parce que j'ai niqué en fait. C'est bon. Et voilà. Allez, niveau 58. Tiens, niveau 104. Bon, bah c'est bien tout ça. On avance. On va pouvoir faire des Benleripat maintenant. Ce fameux donjon. Ouais. Bon, ben merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.